l'aube des temps, l'homme veut voyager, construire des gréements, fabriquer des fusées, la tête dans les nuages, interrogeant le ciel, arpentant les rivages, en quête de merveilles. Ne pouvant être oiseau, il dressa le cheval, l'éléphant, le chameau, qu'importe l'animal, imitant le dauphin, le poisson, les baleines, il fit des sous-marins et d'immenses carènes. Voyager, collectionner les paysages. Voyager, rencontrer de nouveaux visages, mais transcender la matière. Voyager dans l'astral et visiter tout l'univers. Homère avait Ulysse, Venise Marco Polo, le désert se souvient de Théodore Monod. Jules Verne a voyagé bien plus dans ses bouquins qu'un colon, qu'un Auger, bien plus haut qu'Anubis. Et sa terre natale, partir pour l'inconnu, devenir amiral, ou bien chanteur des rues, n'avoir pour tout bagage qu'un simple sac à dos, ou mettre dans son sillage le plus grand des paquebots. Voyager, s'imprégner d'ombre et de lumière. Connaître de frontières et transcender la matière, voyager dans l'astral et visiter tout l'univers. Le miroir, laisser là ses questions, réécrire son histoire, mais changer de crayon, prendre un nouveau départ, sans fardeau, sans souffrance, voyager au hasard, vivre l'impermanence. Voyager, collectionner les paysages. Transcender la matière, voyager dans l'astral et vivre.